Bonjour à tous et bienvenue pour le deuxième épisode de votre web-série La Retraite, ça ne fait pas vieillir d'en parler. L'émission qui déconstruit les idées reçues sur la retraite. Eh oui, bonjour Stéphane et bonjour à tous. Effectivement, parler retraite, ça ne fait toujours pas vieillir. On a continué notre petit tour sur internet et on a repéré quelques tweets qui nous ont interpellés. Aujourd'hui, on va répondre à Caroline. Caroline qui s'en tamponne le coquillard de la retraite parce qu'elle pense qu'elle n'en aura pas. Alors Caroline, écoute bien les explications qui vont suivre et j'espère que t'es fan de pâtisserie. En effet, par construction, le système actuel ne peut pas être en faillite. Pensez donc plus de 15 millions de retraités qui se partagent plus de 300 milliards d'euros sous forme de pension. En fait, il s'agit d'imaginer la retraite comme un gros gâteau qu'on préparerait tous les ans. Les ingrédients de ce gâteau sont essentiellement les cotisations. Et là, Stéphane, tu vas me dire... Mais qu'est-ce qu'une cotisation ? Merci. Alors Caroline, une cotisation, c'est une part de ton salaire qui est prélevée tous les mois et qui sert à financer notre système de protection sociale, dont les retraites. Ces cotisations servent à préparer, si tu veux, un gros gâteau dont on va distribuer les parts entre tous les retraités. Et en travaillant un tout petit peu plus longtemps parce que la durée de vie s'allonge, les parts du gâteau ne risquent pas de diminuer. Tu vois donc Caroline, tant qu'on pourra avoir un gros gâteau, tu auras ta retraite. Alors, on espère t'avoir rassuré et on te souhaite un très bon appétit, Caroline. Et n'oubliez pas, la retraite, ça ne fait pas vieillir d'en parler. À bientôt.